Salut tout le monde, c'est Kirbendo et bienvenue dans cette vidéo super courte et un peu spéciale en fait. Il va pas passer grand chose, c'est juste que j'ai vu que beaucoup d'entre vous m'ont demandé sur Miiverse, en commentaire, comment on faisait pour poster des images sur Miiverse. Alors c'est juste ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, donc si vous savez déjà, c'est pas la peine de la regarder, je vais rien vous expliquer de nouveau. En fait, c'est vrai que quand on est habitué au Miiverse Wii U, ça paraît simple. Mais effectivement, ça ne l'est pas forcément quand on découvre comme ça le Miiverse. Donc tout simplement, là, j'ai lancé le jeu Mario Kart 7. Donc là, j'appuie sur le bouton Home. Ça va mettre le jeu en suspens. Si j'appuie ensuite sur l'icône Miiverse, à droite, ça va lancer le Miiverse. Donc le Miiverse va charger. Ça prend un peu de temps, effectivement. Mais là, donc, il charge. Et une fois qu'il va être chargé, ça va m'amener directement sur la page de la communauté du jeu sur lequel j'étais. Donc là, j'étais sur Mario Kart 7. Normalement, je vais arriver directement sur la communauté de Mario Kart 7. Si ça se passe bien, puisque là, pour l'instant, la connexion est vraiment longue. Je sais pas trop ce qui se passe. Bref, avec une petite musique pour patienter qui est assez cool. Mais bon, voilà, donc là, j'arrive sur la communauté Mario Kart 7. Je fais publier. Sans changer de communauté, je fais publier, et là ensuite, là-haut, j'ai une icône avec une image et un plus. J'appuie dessus, et là, ça va me proposer de mettre l'image du haut ou l'image du bas dans ma publication. Je ne peux pas mettre les deux, je peux mettre l'un ou l'autre, enfin l'une ou l'autre. Ensuite, une fois que j'ai cliqué dessus, elle est insérée, je peux écrire ou faire un dessin avec, et changer là-haut mon humeur tout simplement, mettre un mot-clé pour savoir un peu. Que les gens s'y repèrent un peu sur le fil d'actualité du Miiverse, voilà. Donc, et n'oubliez pas de cocher le bouton révélation lorsque vous mettez un screenshot de quelque chose qui arrive loin dans le jeu. C'est pas très fair play sinon pour les gens qui découvrent le jeu pour la première fois, voilà. Donc c'est très simple. Par contre, j'ai l'impression que certaines communautés n'acceptent pas les images. On a essayé de le faire sur Pokémon X et Y et apparemment ça ne marche pas. C'est possible. Peut-être que Pokémon est tellement populaire qu'ils n'avaient pas envie d'avoir 1 milliard d'images différentes à stocker. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez essayer de faire ça pour quasiment tous les jeux qui ont des communautés. Merci à tous d'avoir suivi ce petit tuto et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!